Y'appelez pas, vous allez bien, quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tournée tard cette fois-ci. Vous voyez, il est quasiment, je sais pas, 2h30 du matin. Et c'est parfait qu'il soit 2h30 du matin parce que c'est un grand classique de ma chaîne YouTube. C'est le mode de beauf. Alors, si vous avez découvert ma chaîne YouTube cette année, vous savez pas ce que c'est. Vous allez vous dire, mais Zach, comment ça sur Call of Duty, il y a des modes de beauf? Bah écoutez, le mode de beauf, c'est, et je vais vous l'expliquer très simplement, une série que je fais depuis un moment pour décrire le hardcore. Et oui, le hardcore avec le bon vieux daron qui a le mioche qui dort là dans la pièce à côté, qui joue tard le soir parce qu'il y a la famille qui dort, qui essaye de pas réveiller le mioche, qui aime pas le normal parce que ça prend pas ses balles, hein, ça prend pas ses balles en normal, hein, vraiment, ça, en hardcore, au moins tu tues en une balle, c'est réaliste, voilà. Donc grosso modo, c'est une petite caricature de la personne qui vient avec le petit pseudo FR63, hein, situé à Thiers à côté de Clermont sur une vieille ADSL dégueulasse et qui joue au hardcore avec sa petite famille qui dort à côté, c'est marrant. Bon, c'est une caricature, c'est pas méchant, hein, si vous jouez à hardcore, faut pas le prendre pour vous, ok. Moi aussi ça m'arrive de jouer hardcore pour faire mes défis, il y a quelques avantages à y aller, donc c'est juste histoire de faire une petite introspection et le concept, voilà. Je tenais à vous remercier les frérots pour les retours du vlog de Tallinn le 5 qu'on a fait hier avec ma femme, c'était vraiment super bien et bon, j'ai même pas à vous faire la propagande parce que regardez la barre de like dislike. Vous-même, vos congénères viewers peuvent vous montrer du coup la qualité de celui-ci, donc n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, allez le regarder, lui donner de la force, tout ça, ça m'encourage à diversifier mes contenus, c'est très très cool, donc je remercie tous ceux qui ont pris le temps de le regarder et le commenter. Maintenant, trêve de bavardage, j'ai préparé une classe. Donc une classe agressive, hein, je vous le dis, j'ai pas envie de être là comme ça, sur des lignes fixes pour essayer de tuer des mecs en une balle, j'ai envie de rusher vénère, donc je me suis fait une petite AK-74U, hein, une belle petite AK-74U silencieuse avec un spa et quelques atouts et tout, on se la donne comme on aime, mais trêve de bavardage, allons directement in-game. Let's go baby. Bon, au niveau du mode, je me suis pas cassé les couilles, j'avais vu qu'ils avaient fait un mode Armada Strike et Crossroads, je sais pas quoi, donc en gros c'est un mode où tu vas jouer que sur ces deux maps. Pourquoi pas, c'est deux des meilleures maps à mon sens, même si je sais que certains n'aiment pas Armada Strike, personnellement je peux parfaitement jouer dessus, ça ne me dérange pas outre mesure, c'est deux maps que je trouve grosso modo, oh là là, le petit triple kill, c'est deux maps que je trouve quand même assez réussies, même si Armada Strike c'est devenu fusil à pompe strike, frère, depuis que dans toute cette zone ici, ah oh bah je me doutais pas qu'il y ait quelqu'un ici, depuis que sur cette, toute cette zone là, ici à l'intérieur du bateau, c'est plutôt fusil à pompe lente, très 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 vénère et on en rigole bien. Oh là là, il y a quelqu'un tout au fond de son spawn, c'est assez terrible. Bon, là, 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 on arrive sur les Jackies que je vous ai évoqués juste avant, tu vois. Il y a quelqu'un ici? Ok, let's go. Petit kill. Oh, il y avait quelqu'un aussi derrière moi. Je vais essayer de me battre dans les bateaux, tout ça, pour essayer de trouver des types. Mais j'ai un peu le sentiment que ça campe de manière un petit peu exagérée. Alors, je tenais à faire des grosses dédicaces et à remercier tous les frérots qui passent sur Twitch tous les jours. J'ai atteint, je me permets, hein, je sais que vous regardez pas tous mes streams, mais les 1000 subs sur Twitch, c'est quand même vraiment énorme. C'est dantesque et ça me permet de pouvoir me lancer dans des projets. J'ai peut-être, j'en parlais, envie récemment de prendre des locaux, de faire des trucs encore plus quali. Je vous parlais du fait que niveau montage, tout ça, j'essayais d'upgrade mes contenus, de faire des trucs vraiment très très lourds. Donc avoir vraiment, tu sais, beaucoup de subs et des gens qui me suivent au quotidien, ça me permet de m'aider dans tous mes projets. Donc grosse dédicace à vous. Je vous verrai. Peut-être dans quelques mois, je prendrai des locaux et ferai des trucs lourds à partir de ceci. Mais ça, c'est dans un second temps. Et vraiment, moi, je le dis, ces 1000 subs là, c'est mon record. J'ai jamais eu autant sur Twitch, tu vois. À l'époque, quand je streamais sur Black Ops 3, Zach était encore hype, tu vois, qu'on voulait encore ma tub. Bon, je le dis un peu vulgairement, mais c'est rigolo. J'avais atteint 600 subs, je crois, au grand maximum. Et là, du coup, je suis à 1000. C'est ce qu'on peut appeler la renaissance. La renaissance d'une personnalité. C'est comme Thierry Henry quand il est revenu à Arsenal à 34 ans et qu'il a marqué la contre Leeds. On a tous vu cette vidéo 50 fois dans des compiles football de merde. C'est à peu près la même chose. Oh, dommage. Fils de pute. Ah, il va jamais venir, hein. Attendez, on va essayer de lui faire le tour. Il est juste là. Il est là. Ah, chien, va! Je croyais la faire à qui, petit? Je vais pas aller du même côté parce que je suis sûr qu'il va m'attendre. Le joueur Call of Duty est un joueur qui est, qui a beaucoup de fierté, donc du coup forcément quand tu lui casses sa mère, il va forcément essayer de se venger. Regardez, il y a peut-être même quelqu'un qui m'attend au top là. Hop, boum. Hop là, la série de 4 baby, vous voyez? Après faut pas m'en vouloir, je suis dans un état mental qui est pas très stable les gars, mais je suis dans un état mental pas très stable à cause d'un truc. Je pense que c'est un truc qui a vraiment frappé beaucoup beaucoup de monde les gars. Oh putain, ils campent tous, c'est terrible là, je vais essayer de m'en sortir, de passer à droite, à gauche et tout, mais
Il y en a un tout au fond, ouais, voilà, regardez, c'est très très chaud pour moi, la SMG. C'est à cause de l'épisode 4, enfin l'épisode 4, le premier épisode de la saison 4 de SNK, les gars. Je suis absolument retourné par ce que j'ai vécu. Oh là là. Ça s'annonce très compliqué, là. Let's go! Non. Le turn. On essaye de trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez, là, regardez à ma droite, il y a peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un. L'accès à la série! Allez! On a réussi à les bouger, du coup les spawns ont changé! Je suis absolument retourné par la saison 4 de SNK, ça fait vraiment plaisir, un des meilleurs animés du monde. Alors je tenais juste à dire un truc, hein, parce que je me doute que dans ma commu, vu que je parle pas beaucoup d'animés, il doit en avoir beaucoup qui n'en regardent pas. Moi, ce qui me fume... Oh là 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 là! C'est cette capacité des mecs qui ne regardent pas des animés à croire qu'ils ont genre un brevet de maturité supérieure par rapport à ceux qui en regardent. C'est des gens qui sont là, des animés, moi je ne regarde pas d'animés japonais, je suis pas un enfant, je ne suis pas un weeb, je suis pas un otaku, je regarde pas. Ces genres de trucs, c'est réservé pour les mecs qui payent des menus manga à 10 balles, ok? Moi je regarde que des vraies séries, Breaking Bad, des trucs comme ça, voilà. Bon les gars. Déjà calmez-vous, hein, vous n'êtes pas supérieur par rapport à un truc que vous regardez. Et si vous ne voulez pas du coup connaître ce chef-d'œuvre qui est SNK, c'est tant pis pour vous. Donc oui, le premier épisode de la saison 4 de SNK, absolument fabuleux, j'ai pas les mots. Alors je me rappelle pas de tout, hein, on va pas faire un débrief. Et là où je veux en venir, c'est qu'en le regardant, il y a certains éléments que j'avais regardés, tu vois, pendant les saisons 3, tout ça, que j'avais un petit peu oublié, donc ça m'a fait un petit peu bizarre par moment. Mais au global, ça m'a fait tellement plaisir, surtout quand je me rappelle de la dernière saison de Game of Thrones, tu vois, qui, elle, m'avait quand même, et je pense pas que moi, beaucoup déçu, donc franchement... Hop. Je te dirais que le retour de certains classiques est salutaire. Hop là. Attention, est-ce que je fais un kill? Oh, j'ai une machine de guerre! Let's go! Machine de guerre à hardcore, ça va envoyer du pâté, hein. Attention, je crois qu'il a l'étage, l'autre. Mais il est où, le connard? Let's go! En fait, il y en a un qui fait son tout petit gun, là, comme ça, avec, tu vois, le hardcore, et il envoie que des petits tunes, il envoie des petits one-tap, t'entends des petits comme ça. Voilà, regardez. Voilà, c'était lui, monsieur Xel, bâtard! Attention, regardez, c'est à l'inverse, ça va venir là-bas. Let's go, série 3, ça va monter ici, je crois. Ça monte, série de 4, mesdames et messieurs. Alors, je vais pas essayer de prendre la long shot. Regardez, on va essayer de, tu vois, de faire un petit flank des familles. Enfin, de pas faire un petit... On va faire un truc. Je vous le dis parce que je suis totalement encore empêtré, voyez-vous, dans toutes ces affaires de camo et de putain de dark matter. Donc, je suis en train de vraiment... de jouer avec des sombres armes pas du tout connues pour essayer de faire, tu vois, les camos. J'ai joué à la QBZ, j'ai joué à plein d'armes de merde. Et au final, 29 armes sur Black Ops Cold War, c'est quand même assez léger. C'est pour ça que j'ai bien envie, tu vois, de la saison 1, ne serait-ce que pour avoir des... Les nouvelles armes, parce que là, en termes d'armes, c'est un petit peu la hesse, tu vois. Donc, la saison 1 va ramener quoi? Parce que du coup, elle a été bougée, je crois, au 16 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai hâte de faire des vidéos. Elle va forcément ramener une petite fusion, tu vois, Warzone et Cold War. Mais elle va ramener nouvelle map, nouvelle arme. Et du coup, le Season Pass et toutes les conneries qui viennent avec, habituellement, au début des saisons. Et c'est assez cool. C'est pour ça que j'avais quelqu'un qui me disait dans mon chat à un moment sur Twitch, ouais, est-ce que ce Cold War sera encore actif ou il sera abandonné au bout d'un moment? Bah, en fait, avec le système qu'ils ont pris depuis Modern Warfare, en termes de contenu, grosso modo, sur code, t'es sûr que t'es Gucci. Si t'aimes bien le jeu, t'es sûr que tu seras pas délaissé au milieu de l'année. Sachant que tout est gratuit maintenant, et ça, c'est quand même un bel avantage. Bon, on est totalement d'accord, hein, tout n'est que tromperie, tout ça, machin, ils font ça dans un but de business. Hein. Activision, c'est pas une MJC, ils nous font pas des contenus gratuits juste pour notre beau sourire. Hein. Ils font ça parce qu'ils se font des sous sur les cosmetics, mais je préfère qu'ils se fassent des sous sur les cosmetics plutôt que sur les DLC. Hein. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on payait des maps 15 fucking balles, les gars. Et ça, c'est de l'évolution, tu vois. Ouais, bah monsieur, merci. Merci pour votre participation. Quelqu'un d'autre? Non? Vas-y. J'aime bien, j'ai bien envie d'aller en bas, mais j'ai peur d'être attendu full visé par une petite type 63. Donc regardez, on passe en haut. Y'a quelqu'un là. Oh non! Il avait eu un lance-grenade, le bâtard! N'oubliez pas les joueurs rogues. En normal comme en hardcore. On vous déteste, on vous chie dessus. Bande de merde. Oh, le nerf arrive, je sais, ils l'ont annoncé. Le nerf va arriver, donc ça va pas si terrible, ne vous inquiétez pas. Bon, lui par exemple, non, lui il doit être...
vidéo meilleure arme du jeu, mais ça aura duré quoi, peut-être même pas une semaine, vu qu'elle a été quand même assez nerf dans la foulée. Bon, et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ok, la game a été gagnée, ça fait plaisir, petit 35-15, c'est pas le meilleur des ratios.